Toi, tu es revenu pour rendre la justice. Je meurs mon œuvre inachevée. J'étais si près d'accomplir le règne éternel des forts, des sages et des vertueux. La crypte nous offrira le pouvoir des dieux. Alors la vie d'un enfant, la vie d'un enfant. Papa. Eh bien, je peux essayer. Comme ça, j'en aurai deux. Bien sûr. Bon. Lève. Tends. Prêt? Oui. Et... Oh, tu m'as fait rater. Kemu, par ici. J'ai trouvé la caverne des hyènes. La caverne, oui. Bah vas-y. Tu vas l'adorer. Il y a au moins 16 hyènes. Elles sont toutes noires et effrayantes. Eh ben, en fait, je préférerais aller chasser avec mon papa. Oh, t'as toujours peur de tout. Hé. Et si on allait chasser pour de vrai, hein? D'accord. Allez, viens. Qu'est-ce qu'on va chasser? L'oracle a besoin d'une peau de bouquetin mâle pour la cérémonie. Tu te tiendras à côté du pharaon? Pas vrai, Bayek? T'es le Medjay. Quand je serai Medjay, je serai aussi à côté du pharaon. Tu seras jamais Medjay. T'as bien trop peur. C'est pas vrai. Et la grande Oyenne, alors? Tais-toi. Ça suffit, vous deux. Le sable me brûle les pieds. Peut-être qu'ils vont prendre feu. Ça te fera aller plus vite. J'aimerais bien que mes pieds y prennent feu. Il est devant nous. Je peux venir? Non, ta mère t'attend. Très bien, on se voit à la cérémonie, Kemu. Au revoir, Shenzira. Troupeau n'est pas loin. Pas après n'importe quel nom. C'est le chef qui nous faut. Comment on le reconnaît? Le grand, aux grandes cornes. Maintenant tais-toi. Fais comme moi. Pourquoi tu appelles Senu? Shenzira m'a dit que je devrais voler ses plumes. Comme ça, je pourrais aller au champ de roseaux quand je passerai devant Anubis. Anubis, voici ton cœur est plus lourd qu'une plume. Tu n'as pas le droit de fausser la balance. C'est sacré. C'est pas grave. On fera plus de temps ensemble. Profitez de ces moments. Reste avec moi. On pourra le faire. Tous les deux. Ah, c'est mon moment préféré. Baisse-toi. Ils vont nous voir si on ne devient pas comme Amon, le dieu qu'on ne voit pas. Oui, papa. Nous sommes ceux qu'on ne voit pas. Tu vois? Mes yeux et ma main sont alignés sur la flèche.
C'est la seule manière de viser juste. Touchez. Ça lui a fait mal. Un tir en plein cœur ne fait presque pas souffrir. Allons chercher cette peau. Nous apporterons ça à l'oracle avant la tombée de la nuit. Un jour, je vais tirer une flèche à travers le soleil. Tu peux. À condition que ta flèche soit comme c'est nous. T'as raison. Si mes flèches étaient comme c'est nous, je pourrais chasser tout ce que je veux. Tu as dit que tu aimerais voir le pharaon de près. Oui. Et si tu venais avec moi à ses côtés? J'ai le droit? En tant que fils de Medjay et futur Medjay. Papo, c'est quoi un Medjay en vrai? Le premier Medjay était le protecteur du pharaon. Mais ça signifie que tu dois veiller sur tout le peuple d'Égypte. Pas seulement le protéger, mais œuvrer pour leur bien-être. Oh, Papo, je suis si heureux de devenir Medjay. Toi, tu connais tous les secrets de Siwa. Et si je ne deviens jamais Medjay? Tu le deviendras. Tu es mon fils. Mais ça me fait peur. J'essaye d'être courageux, mais parfois c'est dur. Attends. Passons par là. Tu sais, quand j'avais ton âge, parfois moi aussi j'avais peur. Ton grand-père était un Medjay de renom. Et il tenait à ce que je fasse honneur à la famille quand je lui succéderais. Oui. Un jour, il m'a amené sur ce chemin. Au sommet, il m'a dit quelque chose. Un seul mot. Ça m'a transformé. Un seul mot? J'ai surmonté ma peur. J'ai compris que je pouvais tout faire. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je te le dirai quand on arrivera.